Velingara, au sud du Sénégal. À l'école primaire, les enfants s'apprêtent à rentrer en cours. Dans cette classe de CM2, le maître donne une leçon d'éducation civique. Donc, à l'image des prisons, ils sont de la même famille, nous aussi, dans la maison, on est de la même famille, il faut qu'on soit solide, solidaire. Mais aujourd'hui, il n'est pas seul en classe. Une grand-mère est venue lui prêter main forte. Vous savez que les grand-mères sont très importantes. Depuis bientôt 2 à 3 ans, elles viennent nous faire des contes, elles viennent nous faire des proverbes, des devinettes, des histoires sans fin. Alimatou Diallo est l'une des grand-mères qui travaille régulièrement avec l'école. 2 à 3 fois par semaine, elle intervient dans cette classe. Il était une fois une très grande famine. Même les oiseaux avaient faim. Un jour, ils se sont envolés pour chercher de quoi manger. Ils ont volé pendant toute la journée, jusqu'à l'heure de la prière du soir. Les oiseaux étaient très fatigués. Alors, ils se sont posés sur un arbre pour se reposer. Et lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont trouvé au pied de l'arbre des graines de mil, de maïs, d'arachide et de riz. Dans cette école, les grand-mères font partie intégrante de l'apprentissage des élèves. Elles viennent raconter aux enfants la culture traditionnelle sénégalaise. Nous avons reçu une éducation traditionnelle par nos grands-parents qui nous était transmise à travers des contes. Aujourd'hui, les jeunes ont perdu cette tradition. Nous sommes là pour la transmettre, nous aussi, pour qu'ils puissent à leur tour la transmettre à leurs enfants. Ces contes en poulard, la langue des Peuls, serviront ensuite d'illustration pour la leçon du jour. Une méthode qui améliore la compréhension des élèves, selon le professeur. On a fait confiance à ces grand-mères qui viennent à l'école pour nous aider à dispenser le savoir, surtout sur des activités bien déterminées comme la communication orale et surtout vivre ensemble, qui est une porte d'entrée qui nous permet vraiment d'étudier les valeurs de la communauté. Le fait d'introduire la langue locale au niveau de l'école, vraiment, c'est un grand avantage pour nous parce que ça facilite la compréhension pour les enfants. Comme ici, 57 écoles pilotes ont recours au service des grands-mères au Sénégal. Une initiative de l'ONG Grandmother Project, avec une idée simple, favoriser l'échange des générations pour améliorer la scolarité des enfants. Leur implication ne s'arrête pas qu'à l'intérieur de l'école. Mamadou Diadjou, inspecteur de l'éducation nationale, est venu à l'école primaire de Lambatara, une des écoles pilotes qui applique le programme. Qu'est-ce qu'on voit là encore ? Oui ? Il y a un signe de... Très bien, il y a un signe de respect qui est là, c'est bien. Il vient évaluer le niveau de l'enseignement. On a vu que les conséquences de la rupture ou bien du conflit de génération a des conséquences négatives au niveau de l'école. Et ça se traduit par de mauvais résultats. Donc créer une communication entre générations, ça permet de lever pas mal d'équivoques par rapport à la stratégie. Une communication intergénérationnelle qui s'apprend. Les grands-mères qui interviennent en classe doivent être bénévoles, motivées et surtout formées pour intégrer le dispositif. Voilà. Allez, les enfants. Au revoir. Merci. Allez, au revoir. Merci. Merci.